Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, le public prête aux économistes un pouvoir d'influence, admiré ou jalousé, vanté ou suspecté, mais un pouvoir d'influence dont la réalité n'est pas pleinement établie, du moins si j'en juge par les déclarations divergentes de deux éminents représentants de la profession. John Maynard Keynes, l'économiste sans doute le plus célèbre du siècle qui s'achève, est catégorique, je cite. « Les idées des économistes et des philosophes politiques, qu'elles soient justes ou fausses, sont plus puissantes qu'on ne le croit généralement. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose d'autre qui gouverne le monde. Et sans le savoir, les hommes politiques, ajoute-t-il, sont souvent prisonniers des conceptions d'un économiste défunt. » Pour George Stigler, au contraire, l'abrogation des Corn Laws en 1846, un des événements les plus importants de l'histoire économique anglaise et peut-être européenne du XIXe siècle, ne doit rien à la réflexion savante. Je cite, « Si Cobden, c'est l'économiste qui a inspiré ces lois, avait bégayé en yiddish, et si Peel, le premier ministre qui les a mises en œuvre, avait été un homme étroit et stupide, l'Angleterre n'en aurait pas moins pris la route du libre-échange. » Fin de citation. Au travers et au-delà de la question de l'influence des économistes, ces deux positions contrastées interrogent le statut de la réflexion savante, un sujet qui restera en filigrane de toute cette leçon inaugurale. La deuxième partie, pour introduire au thème de l'enseignement et de la recherche, discutera en effet l'armature conceptuelle de l'économie publique, le champ de l'étude des relations entre l'État et le marché. La première partie, quant à elle, évoquera la singularité de la discipline tout entière pour mieux caractériser les orientations intellectuelles de la chaire. Cette première partie s'ouvre assez naturellement sur un exercice imposé de la leçon inaugurale, le commentaire de l'intitulé « Théorie économique et organisation sociale ». Théorie économique d'abord. Le terme est voisin de celui d'analyse économique, l'intitulé de la chaire d'Edmond Malinvaux. Ces deux catégories, théorie, analyse, sont des constructions dont, par exemple, l'ouvrage de Joseph Schumpeter, Histoire de l'analyse économique, rend compte de façon approfondie. En voici un raccourci. Depuis que l'économie s'est affirmée comme discipline, l'argumentaire théorique, relatif à l'analyse des mécanismes plutôt qu'à l'observation des faits, s'est constitué en espace autonome de la discussion scientifique. Trois exemples illustrent la place de la déduction dans les débats fondateurs du XIXe siècle. Tout d'abord, la mécanique de la rente foncière et de l'échange international est décortiquée par David Ricardo, l'ancêtre le plus évident, s'il en faut un, des théoriciens d'aujourd'hui. Second exemple, celui du débat sur les relations entre les prix de production et les valeurs travail qui a traversé le XIXe siècle. Son dernier avatar a pris la forme, vers 1950, de l'ouvrage de Sraffa sur la production de marchandises à l'aide de marchandises. C'est la circularité que ce titre souligne et les difficultés logiques qu'elle détermine qui ont fait la controverse. Troisième exemple, qui fait passer de la difficulté logique à une difficulté qu'on pourrait appeler systémique, celui de la polémique qui a opposé les tenants de la stabilité de l'économie capitaliste et les avocats des thèses dites catastrophistes. D'un côté, Jean-Baptiste Say, premier économiste titulaire d'une chaire au Collège de France, dont la célèbre formule « l'offre crée sa propre demande » est un joyau de condensé argumentaire. De l'autre, les thèses pessimistes de Jean-Charles Sismondi. Les écrits de Karl Marx leur fourniront à la fois des développements et une formidable caisse de résonance. Ici, le principal verdict empirique sollicité est l'hypothétique effondrement du capitalisme. Ainsi, les économistes classiques ont débattu de théorie économique,
mais sans la reconnaître comme catégorie. C'est plus tard Léon Valras qui assumera la revendication d'un espace autonome pour le raisonnement et la déduction. En la matière qui nous occupe, disait-il, la théorie ne fournit que la formule abstraite. C'est à l'observation et à l'expérience de donner aux coefficients de cette formule des valeurs concrètes. La séparation contemporaine théorique-empirique est donc un avatar du distinguo valrassien, mais son sens moderne renvoie en particulier au manifeste de la Société d'économétrie, publié en 1933 dans le premier numéro d'Econometrica. La méthodologie économétrique, alors très minoritaire, a aujourd'hui une influence hégémonique dans beaucoup de régions du monde et de secteurs du savoir. La société n'est pas un club de pensée étroit. Avant la guerre, la liste de ses présidents, Keynes l'a été, Schumpeter aussi, témoigne de son éclectisme scientifique. Son manifeste, dans les catégories de Kuhn et Lakatos, ne définit ni un paradigme, ni un programme de recherche. En militant pour une approche quantitative qui articule le théorico-quantitatif, centré sur la construction de modèles, et l'empirico-quantitatif, qui prendra dans la suite une forte dimension probabiliste et statistique, il prescrit certaines méthodes de la science normale, mais sans prétendre la régir tout entière. L'intitulé « théorie économique » fait donc référence à une catégorie établie, à une division du travail intellectuel largement acceptée sur la planète académique. La compétence que l'on me reconnaît dans la discipline est bien celle du théoricien, dont la raison d'être est la discussion critique, l'amélioration des schémas intellectuels de la discipline. À l'exception de quelques phases épisodiques de conseils de politique économique, à l'ombre institutionnelle du commissariat général du plan, c'est bien de théorie économique dont parlent les travaux que j'ai effectués et qui m'ont valu quelques honneurs scientifiques, de ceux qui nourrissent les notoriétés toujours fragiles des spécialistes de sciences sociales, et parmi lesquels l'honneur de parler ce soir dans cette enceinte prestigieuse est le plus intimidant. C'est bien autour de la théorie économique et de la théorie économique contemporaine telle qu'elle se fait, se défait, se déconstruit et se reconstruit que je souhaite organiser mon enseignement et poursuivre ma recherche. Deux mots encore sur la théorie. Même si Alfred Marshall avait plaidé, en son temps, la pertinence du modèle de la biologie, sans cependant joindre l'exemple à la parole, l'influence des sciences physiques dans le développement de la discipline fait sans doute écho au rêve positiviste de la physique sociale. Pourtant, le mimétisme dans la division du travail, qui vient d'être évoqué, et l'attention à la qualité du raisonnement qu'il reflète, sont paradoxalement plus justifiés par les différences entre économique et physique que par leur similitude. Je m'explique. L'expérience contrôlée qui permet de réfuter les prémices de théories dont le raisonnement est impeccable a aussi, je présume, un grand pouvoir de nuisance vis-à-vis de celles qui, quelle que soit la valeur des prémices, seraient logiquement bancales. Mon sentiment, même s'il appelle discussion, est que les événements sociaux qui sont moins lisibles, car moins reproductibles que les faits physiques, sont par là même, comment dire, plus amicaux, plus indulgents à l'erreur logique. Une erreur que le sens commun, mais aussi le sens savant abusé, fait facilement proliférer. Il n'en reste pas moins que l'autonomie des champs ainsi divisés peut susciter leurs dérives. Qu'on s'entende, beaucoup de démarches théoriques, et je pense aux plus fécondes, procèdent à des constructions progressives qui ne sont pas passibles de sanctions empiriques immédiates. Elles constituent, pour le meilleur ou pour le pire, des aventures intellectuelles. Cependant, l'évolution récente de la discipline accrédite un danger. Celui que se développe d'un côté une réflexion ésotérique sur des mondes imaginaires et de l'autre un traitement sauvage des données qui mise sur la puissance des outils. C'est un risque qu'Edmond Malinvaux a souligné et que les choix intellectuels de Werner Hildenbrand, théoricien exigeant qui a été titulaire de la chaire européenne du Collège de France en 1994,
se sont appliqués à conjurer. Si le regain récent des études où les aspects théoriques et empiriques sont mieux imbriqués incite à plus d'optimisme, l'unité intellectuelle de la discipline est un sujet suffisamment sensible pour mériter, sous des formes qui tiennent compte des limites de mes compétences, un écho dans les enseignements de la chaire. Organisation sociale est le deuxième pan de l'intitulé. Le terme ouvre dans mon esprit deux perspectives différentes. D'un côté, la perspective du débat social sur les enjeux économiques de notre époque. De l'autre, celle du lien entre les enjeux économiques et les enjeux sociaux plus généraux, un problème qui convoque l'ensemble des sciences sociales. Les enjeux économiques de l'époque, tout d'abord. L'attitude des économistes face à l'intervention dans le débat public varie. Selon une évaluation plausible, la moitié des lauréats du prix Nobel d'économie étaient intervenus ou intervenaient dans le débat public sur la politique économique, ce qui veut dire que l'autre moitié ne le fait pas. La permanence de cette coupure est accréditée par l'histoire des chaires occupées au collège par des économistes. Michel Chevalier, nommé en 1840, Saint-Simonien militant, fut aussi activement antiprotectionniste. Paul Leroy-Beaulieu, qui occupa une chaire de 1880 à 1916, se fit le champion des conceptions libérales. Charles Gide fut, lui, un avocat des coopératives de producteurs, et François Pérou exprima toute sa vie une insatisfaction qui portait à la fois sur les théories et l'état du monde économique. Certains dans cette salle se souviennent de la fougue et du talent acide avec lesquels Alfred Sauvy traitait de la démographie, mais aussi de tous les sujets qui lui tenaient à cœur. À l'inverse, Émile Levasseur, contemporain de Leroy-Beaulieu, géographe autant qu'économiste, François Simian, qui professa au collège de 1932 à 1935, ont poursuivi des recherches dont le but n'était pas de répondre directement aux exigences de l'heure. Edmond Malinvaux lui-même a consacré son activité académique à la réflexion distanciée, mais ses interventions discrètes, comme par exemple le rapport Dresde-Malinvaux, ont eu une influence sur les politiques de l'emploi en Europe. Tempérament, mais aussi spécialité, explique ces différences d'attitude. Par exemple, les théoriciens considèrent souvent la politique économique avec une grande circonspection. L'honnêteté peut le commander face à des dossiers hautement spécialisés. Mais la réticence est plus profonde. C'est la crainte que les compromis qu'exigent les choix de politique économique n'impliquent des compromissions de l'idéal auquel la théorie pure aspire. C'est une sensibilité différente qu'exprime la tradition qui a guidé mes premiers pas dans la discipline, celle des ingénieurs économistes. Cette tradition a été répertoriée par l'histoire de la pensée anglo-saxonne, qui s'en est étonnée comme du produit exotique et improbable de deux exceptions françaises, les ingénieurs d'État et les grandes écoles. La démarche des ingénieurs économistes a produit des théories influentes dans la discipline, le surplus de Dupuis, les identités de roi par exemple, ou hors de la discipline, la programmation dynamique de Massé. Mais elle avait une motivation concrète, faire face aux problèmes économiques que l'ingénieur rencontrait. De l'utilité des travaux publics, tel était le titre du mémoire célèbre de Dupuis, un titre qui détonne parmi ceux des textes qui ont fait la pensée de la discipline. À mi-chemin de l'isolement de la réflexion pure et d'une démarche, comme on dit en anglais, « problem-oriented », tirée par les questions économiques, je souhaite lier la théorie économique, qui constituera le cœur de mes enseignements, aux problèmes qui aujourd'hui la sollicitent, problèmes environnementaux globaux, état-providence, nouvelle économie et mondialisation. Voilà des thèmes sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Ils constitueront non la trame, mais la toile de fond des enseignements de la chaire. Le terme d'organisation sociale fait aussi écho à la dimension sociale des enjeux économiques, dont l'examen appelle les regards croisés de toutes les sciences de l'homme. L'établissement d'un dialogue entre disciplines, auquel la chaire tentera de contribuer,
appellent en préalable une compréhension améliorée de leurs rapports, la confrontation de leurs méthodes et de leurs objets. L'intérêt que j'y porte reflète une conscience de l'altérité intellectuelle de ma discipline, qui s'est très largement forgée au contact des sciences sociales voisines. J'ai eu le privilège que le miroir où je crois me reconnaître économiste m'était étendu par des personnalités de premier plan, aux talents variés. La liste, qui mêle la notoriété et l'amitié, est loin d'être exhaustive, mais il me faut citer Pierre Bourdieu, découvert dans la lecture, mais aussi l'échange direct sur la noblesse d'État et l'économie de l'habitat. François Furet et sa tendresse acide pour ma discipline. Jean-Claude Passeron, maître d'œuvre de la réflexion pluridisciplinaire sur l'enquête et le récit. Raymond Boudon et Christian Baudelot, rencontrés dans les jurys d'entrée de la rue d'Ulm. Ou encore Jean-Claude Perrault. L'image qu'ils m'ont donnée à voir de l'identité intellectuelle de la discipline renvoie à ces arêtes vives, mathématisation, rationalité, autonomie. Autonomie et rationalité, dans cet ordre, appellent dès maintenant un bref commentaire. À défaut de la science sociale réunifiée dont rêvait Comte, la spécialisation des objets à laquelle chacune d'entre elles procède éventuellement, a suscité des interrogations. Et l'on sait les convictions fortes de Pierre Bourdieu sur ce sujet et la manière dont elles animent son œuvre. Sans voir, comme certains, dans la science économique, la grammaire universelle des sciences sociales, la fécondité scientifique de la délimitation de son objet me semble avérée. Mais ses limites opératoires et normatives sont indéniables. L'étude de la richesse des nations ou celle de l'allocation des ressources rares, aucune des définitions de la discipline n'évite une focalisation sur la dimension matérielle. Et pourtant, l'homme ne vit pas seulement de pain. En ce qui concerne la rationalité, facteur convenu de l'identité de la discipline, la clarification des relations interdisciplinaires requiert d'en préciser mieux encore la portée. Rationalité de l'intérêt et rationalité altruiste, rationalité du comportement et rationalité des attentes, rationalité de l'action ou de l'interaction, rationalité collective et rationalité individuelle. Les enjeux de la rationalité se jouent sur de multiples terrains qu'il faut déminer tour à tour, dont il faut reconnaître la variété et les croisements et éprouver les limites exactes. Après avoir commenté l'intitulé de la chaire et sa perspective, et avant d'aborder plus en détail les thèmes de l'enseignement et de la recherche, il me faut revenir sur les articulations entre l'observation et la réflexion, les faits et les théories, l'histoire et la pensée. J'appelle votre indulgence pour l'aridité probable de cette réflexion. Elle précédera quelques considérations que j'espère plus détendues sur la mathématisation. Les faits économiques ne relève pas de l'expérimentation directe qui fait la fécondité de la méthode des sciences de la nature. Ils ne peuvent être généralement reproduits à conditions fixées ou mieux encore changés de façon contrôlée. Ils sont, comme les faits sociaux en général, des événements singuliers. L'appréciation des choses égales par ailleurs qui permet d'invoquer une forme de répétition est toujours délicate. À vrai dire, il est quelque peu abusif d'utiliser le même mot « répétition » pour désigner, d'une part, la reproduction de l'expérience de Morley-Michelson, aujourd'hui plus de 110 ans après sa première réalisation, et d'autre part, la réapparition d'une crise financière, disons pour s'en tenir à des événements proches, la crise du Peugeot de 1994 et la crise asiatique de 1998. L'évaluation du degré de singularité des événements est donc de la légitimité des comparaisons qu'ils permettent, pour mettre en place le cas d'une quasi-expérience, repose sur des opérations mentales dont le fondement empirique de dernière instance reste souvent ambigu. Disons-le, le protocole de confrontation des théories aux faits que propose la méthodologie économétrique, calibrer les modèles sur les faits passés, comparer leurs qualités prédictives, est moins ferme qu'il n'y paraît. J'en vois deux raisons. D'abord, ce protocole élude largement la question de la temporalité,
qui commande la relation à la répétitivité et qui est souvent mise en avant par les autres sciences sociales. Je pense ici, bien sûr, au temps long de Braudel, mais aussi, par exemple, à Jean-Claude Passeron. Son ouvrage sur le raisonnement sociologique situe la singularité des événements auxquels sont confrontés ce qu'il appelle les sciences historiques, comme le serait la sociologie, dans, je cite, « l'espace non popérien du raisonnement naturel ». Quand la science économique pourrait-elle plus légitimement invoquer la répétition et s'inscrire donc dans un espace popérien? Même si l'analyse de Passeron se développe au sein d'une vision épistémologique plus large, que je ne peux qu'évoquer ici, elle invite à un examen comparatif de la spécificité de la pratique de ma discipline. Pourquoi et dans quel sens les économistes pourraient-ils plus invoquer la répétition que ne le peuvent les sociologues? Et en quoi l'histoire et l'anthropologie seraient-elles, à cet égard, plus proches de la sociologie? Voilà une question qui relève à la fois de l'approfondissement disciplinaire et du dialogue interdisciplinaire souhaité auparavant. Un départ flou entre ce qui doit être pris comme donné et ce qui doit être validé empiriquement est une seconde raison de la fermeté insuffisante de la méthodologie économétrique. Elle s'est ainsi accommodée, pour se limiter à deux épistémologies explicitées, des positions opposées de l'instrumentalisme méthodologique de Milton Friedman et de l'opérationnalisme de Paul Samuelson. Ces remarques n'épuisent pas le sujet, bien évidemment. Mais les deux observations que je vais y ajouter sont destinées non pas tant à compléter le tableau qu'à en déplacer la perspective en espérant ainsi l'améliorer. Toutes les deux sollicitent l'analogie avec la physique et toutes les deux rebondissent sur les limites de cette analogie. Les agents individualisés de la théorie microéconomique sont des sortes d'atomes sociaux, devrais-je plutôt dire des molécules, dotés de raisons d'agir et de réagir. Mais ces raisons d'agir procèdent à la fois de motivation et, j'utilise ici le mot en un sens un peu vague, de représentation. Par exemple, la représentation de l'avenir de l'entrepreneur, l'état des affaires et de la concurrence détermine l'investissement. Les représentations modifient donc le présent, mais aussi en ricochet l'avenir lui-même. Les croisements complexes des représentations de l'avenir économique et des faits constituent une sorte de nœud gordien. L'hypothèse d'anticipation rationnelle qui affirme que la prédiction sur laquelle se fondent les agents économiques sont statistiquement non biaisées, le tranche. Elle le ferait même, si l'on en croit l'article pionnier de Mousse, en faisant dériver la vérité des représentations de la rationalité des motivations. La rationalité individuelle impliquerait la rationalité des anticipations. L'argument fera mouche dans la profession, mais il est inexact. L'hypothèse d'anticipation rationnelle, tout comme l'équilibre de Nash en théorie des jeux, ne constitue pas des conséquences logiques de la rationalité individuelle, mais au mieux, dérive d'une hypothèse plus forte, celle au sens du philosophe David Lewis de la connaissance commune de la rationalité. C'est bien de cette dernière hypothèse, même si elle n'est pas nécessairement toujours plausible, dont il faut partir pour explorer les limites de la logique rationnelle, pour marquer ses frontières extrêmes, et donc baliser le territoire légitime d'une certaine rationalité limitée, celle qui est fille de la prédictabilité limitée. Voilà, inutile de le souligner, une vraie question pour toutes les sciences sociales. Et les représentations dont j'ai parlé sont contingentes à un environnement fixé. Pour prolonger ma métaphore, les atomes sociaux ne diffèrent pas seulement des atomes du monde physique par la représentation qu'ils se donnent de cet environnement, ils peuvent aussi le changer, c'est-à-dire modifier les règles du jeu, les institutions et l'organisation économique elle-même. Leurs représentations doivent donc aussi porter sur les effets de modification endogène du système sur son fonctionnement, c'est-à-dire sur la conception générale du monde économique, celle-là même qu'avaient à l'esprit Keynes et Stigler dans les citations introductives. Keynes pensait que ces conceptions générales étaient entièrement tributaires de la pensée savante, quand Stigler y voyait le produit de l'évidence spontanée,
qui se dégage de perceptions empiriques intéressées. Keynes n'avait pas tort. Il est vrai que les schémas mentaux, en l'occurrence ceux qui concernent le fonctionnement de l'économie, ne sont que lentement malléables et qu'ils ont une hystérèse considérable. Que par ailleurs, le réaménagement des conceptions intellectuelles repose largement sur ceux qui en font profession. Il est vrai aussi que la compétition des idées s'accompagne de résurgences qui remettent sur la sellette des économistes défunts. Mais les expériences qui peuvent nourrir les représentations que je viens d'évoquer, devrait-on les appeler systémiques, ne sont ni des expériences contrôlées, bien sûr, ni nécessairement des quasi-expériences, mais parfois des expériences singulières dans le temps long ou semi-long de l'histoire. L'effort de mise à jour de ces représentations sur les grandes questions est alors mû non seulement par la vigueur de la pensée, de l'élaboration savante, de l'observation sophistiquée, ou bien encore par les convictions tirées de la pesanteur du quotidien, comme le pensait sans doute Stigler, mais aussi par la force de faits saillants ou traumatiques, dont à tort ou à raison, le message s'impose universellement et fait basculer l'opinion générale. La Grande Dépression des années 30, l'effondrement du système soviétique sont sans doute à cet égard les deux faits les plus saillants du XXe siècle. Le premier a imposé l'idée de l'impuissance des régulations spontanées du marché et de la nécessité d'interventions étatiques. L'échec du système de planification centralisé a rivalisé pour la production de richesses avec le système des économies de marché du capitalisme occidental développé, lentement perçu par les spécialistes, a été accrédité auprès du grand public par la chute politique du régime soviétique. Le discrédit des solutions de l'organisation centralisée qui en a résulté, qui s'est parfois étendu, à tort ou à raison, à l'action gouvernementale en général, ne tient pas, en tant que tel, à une force de conviction savante, mais simplement à l'incapacité des économistes vivants à atténuer la perception de l'exemplarité d'un échec spectaculaire. À vrai dire, la pensée savante en a été tout autant affectée que la pensée commune. Après la Grande Dépression, l'intervention était devenue l'un de ses leitmotivs. Aujourd'hui, elle s'est en partie reportée de la critique du marché vers celle du gouvernement. Le rôle des mathématiques dans la discipline est un vieux problème qu'une sorte de Yalta plus ou moins satisfaisant semblait avoir réglé. Mais s'il n'en est rien, voici quelques mots qui seront, rassurez-vous, les plus littéraires possibles. Qui peut récuser l'utilité des outils de la statistique pour traiter un matériau quantitatif abondant ? Et je ne parle pas ici exclusivement d'économie. Le soin extrême que met Émile Durkheim dans le commentaire des statistiques sur le suicide, dans l'ouvrage célèbre qu'il y a consacré, illustre à la fois l'intuition d'un grand esprit et l'aide considérable que cette intuition aurait reçue d'outils probabilistes adaptés. Et c'est bien sûr la modélisation des phénomènes qui est d'abord en cause, et l'altérité intellectuelle qu'elle détermine, parfois assimilée à de la superbe. En soulignant les difficultés logiques et systémiques des questions dont l'examen a déterminé le tour qu'a pris la science économique naissante au XIXe siècle, j'ai dit ce qui compte le plus. En deux mots, et pour détourner une formule célèbre, la formalisation n'est que le prolongement du raisonnement par d'autres moyens. Voici deux ou trois remarques supplémentaires plus subalternes. D'abord, la réussite de la modélisation, un art tout entier fondé sur la qualité du dialogue entre la logique et l'intuition économique, ne se juge pas à l'aune de la sophistication. Les mathématiques utilisées peuvent être difficiles. Après la Seconde Guerre mondiale, le travail critique des schémas intellectuels, de critique interne, comme on disait dans les années 70, a fait appel à toutes les ressources d'outils nouvellement forgés en topologie ou en analyse convexe, etc. Mais les mathématiques pertinentes peuvent être élémentaires. Elles n'en sont pas moins utiles.
À l'inverse, elles peuvent être inexistantes. Marx, si l'on en croit Morishima, aurait eu l'intuition du théorème de Perron-Frobenius en réfléchissant sur le potentiel de croissance d'une économie. Mais, comme l'ont montré Gilbert Abraham Froy et Aymeric Langel, il aura fallu attendre l'abbé Potron, jésuite polytechnicien et apôtre probable du catholicisme social de l'entre-deux-guerres, pour s'y référer explicitement et en tirer toutes les conséquences sur les relations entre prix, taux de salaire et taux de profit. Viendront plus tard Debreu et Erstein. Ensuite, au-delà de l'épistémologie qui en marque la nécessité, il faut, pour apprécier convenablement la mathématisation, mieux comprendre l'histoire, voire la sociologie intellectuelle de la discipline. Dans le climat des controverses qu'avait exacerbé la confrontation des systèmes économiques rivaux, dans une discipline plus ouverte à tout l'éventail des sensibilités politiques que d'autres, la modélisation et la statistique ont fourni aux chercheurs à la fois un cocon protecteur et un espace de laïcité intellectuelle. Cette insupportable objectivité qui empêche tant de gens de vivre, comme disait Tchekhov, leur a valu les méfiances opposées de Friedrich Hayek et d'une partie de ceux qui espéraient le grand soir. Enfin, si les succès les plus incontestables de la modélisation mathématique ont été obtenus dans le registre de la généralisation, la pratique actuelle, qui en fait la lingua franca de l'analyse économique, est parfois plus problématique. Devrais-je avouer m'être demandé plus d'une fois ce que les équations développées ajoutaient à certains propos. Mais, puisque certains sont tentés de rejouer aujourd'hui les animaux malades de la peste, avec la mondialisation dans le rôle de la peste et la mathématisation comme âne émissaire, il est inopportun, si l'on suit La Fontaine, de concéder le moindre diable tentateur, le moindre carré d'herbe tendre. Il faut, en contraire, en appeler à l'éloquence des plus incontestables cautions littéraires, celles du Baudelaire, du Bonheur de Viopie et du Peggy de la Revue Socialiste. Charles Baudelaire, pour me convaincre que ce qu'il disait du poète, déchiffreur de l'universelle analogie, s'applique aussi au langage mathématique. Charles Peggy, que son enthousiasme néophyte à la lecture de Valras amène à une intuition essentielle, je cite. L'ancienne économie politique arrivait très vite à des propositions très simples, assez vagues, en partie fausses, et ne pouvait avancer, tandis que la nouvelle économie est constituée pour progresser régulièrement, indéfiniment. Fin de citation. La communication du savoir interne et la capacité de la discipline à l'accumuler ont bien été grandement favorisées par le recours au langage formalisé. Mais la discipline s'en est trouvée plus isolée, une situation qui appelle l'intensification de l'effort pédagogique. J'en viens à la seconde partie, c'est-à-dire après l'exposé des orientations générales de la chaire, celui des thèmes qui y seront abordés. Le thème privilégié, celui du marché et de l'État et de leurs frontières, est large. Il intéresse toute réflexion sur le système d'économie mixte qui prévaut aujourd'hui sur toute la planète. L'économie de marché est une réalité ancienne. La galerie de ses héros successifs, du marchand de la route de la soie au trader moderne, en passant par l'entrepreneur schumpeterien, donne une première idée de la variété de ses avatars historiques. Pour les classer, sans doute faudrait-il l'équivalent d'un tableau de Mendeleïev à multiples entrées. Le noyau dur de ces singularités modernes s'affiche en contrepoint des tentatives faites au XXe siècle pour lui substituer la planification centralisée. En premier lieu, les prix ne sont pas seulement des prix de compte, comme ils l'étaient dans la planification soviétique, mais des outils de calcul économique pour les agents. Ensuite, la contrainte budgétaire n'est pas molle, comme elle l'était dans l'économie hongroise des années 70. Le profit est donc un profit réel et non fictif. Enfin, les prix ne sont pas des grandeurs administrées, mais le produit d'un processus algorithmique qui fait interagir des milliers de marchés de biens élémentaires et qui agrège de manière plus ou moins satisfaisante
la multitude d'informations détenues par les agents décentralisés. État et marché sont des formes d'organisation dont les relations tiennent au moins autant de la complémentarité que de l'antagonisme. C'est l'État qui permet le marché en assurant les infrastructures juridiques et matérielles nécessaires à son développement. Tant l'histoire que la théorie le rappellent abondamment, même si les conseillers en transition ne l'ont pas suffisamment retenu, en particulier dans l'ancienne Union soviétique. Mais l'ampleur des régulations collectives qu'appelle le marché reste sujette à des controverses. Pour les aborder, je vais privilégier, Keynes plutôt que Stigler, si l'on veut, l'examen de l'évolution des conceptions savantes du rôle économique de l'État. Et d'abord celle qui relève, pour reprendre le vocabulaire de Serge Kolm, de l'économie publique, un champ dont se réclame une partie de ma recherche. C'est la logique interne de la transformation de ces conceptions qui sera mon fil conducteur. Restera alors à évoquer les défis auxquels les grands problèmes de notre époque les soumettent. Mon inventaire du passé ne prétend pas à l'exhaustivité. Il vise principalement à illustrer la forte imbrication du rôle économique fixé à l'État et de la conception du marché qui l'accompagne. Une imbrication que fait clairement apparaître l'articulation explicite de leur rapport à laquelle la réflexion savante doit procéder. La leçon que je prétends en tirer pourtant ne s'applique pas au seul schéma savant, mais aussi à toute action réformatrice. Faute de comprendre, comme on dit, les contraintes du marché, celle-ci prend le risque d'osciller entre la dénonciation incantatoire et la soumission passive aux dites contraintes. La grille de lecture valrassienne du marché est datée, mais fournit un guide cohérent à l'intervention de l'État. C'est celui d'une nouvelle économie du bien-être des années 60, qui décrypte l'intervention du gouvernement, en creux, pourrait-on dire, comme réponse aux défaillances, aux échecs du marché. L'efficacité prêtée au marché, non seulement sur chacun de ses segments isolés, mais dans l'ensemble que constitue le secteur de la production, dès lors que les rendements n'y sont pas croissants, et le secteur de la consommation, est souvent mal comprise. C'est l'efficacité au sens faible du mot soulignée par Pareto, c'est-à-dire l'absence d'alternatives viables unanimement préférées. La régulation marchande que permet l'exclusion d'usage ne s'applique pas aux biens collectifs, qui sont tels que chacun en a sa part et tous l'ont tout entier, comme disait si bien Victor Hugo. Ils appellent, comme les externalités, une catégorie voisine, une forme de régulation étatique. L'impossibilité d'une organisation concurrentielle des secteurs où les rendements d'échelle créent un monopole naturel justifie aussi, dans cette logique, l'intervention dans la production. Last but not least, les corrections de la distribution spontanée du revenu, socialement ou politiquement souhaitées, peuvent être effectuées grâce à des transferts forfaitaires, ou par exemple, comme Valras le préconisait, par l'appropriation publique de la rente foncière. Notons que l'action redistributive ici ne relève pas d'un échec du marché, stricto sensu, sauf à voir dans les tendances souvent inégalitaires des marchés de facteurs, une défaillance à satisfaire la passion de l'égalité qui, selon Tocqueville, anime les sociétés démocratiques. Ouvrons ici deux parenthèses sémantiques. D'abord, on peut sans doute qualifier la conception normative qui vient d'être esquissée de néolibérale, dès lors que le terme désigne une acceptation d'un champ raisonné et assez large pour le marché. Mais si par ce terme on veut suggérer l'impuissance ou l'indifférence aux questions de redistribution du revenu, le malentendu est total. C'est de toutes les conceptions qui seront évoquées, celle qui fixe le moins de contraintes à une redistribution du revenu primaire, qui y est censée être effectuée sans coûts économiques. J'ai aussi hésité à l'appeler néoclassique, même si le terme est sans doute approprié ici. Mais les sens dans lesquels on utilise ce mot sont multiples. Sens contradictoire, celui de successeur des classiques, que je retiens maintenant, et celui des années 60, synthèse de Keynes et de ses prédécesseurs.
autre sens varié, ou bien incertain, néolibéral, ou bien largement indépendant, utilisateur des mathématiques, tenant de l'individualisme méthodologique, libéral, et j'en passe. Cette multiplicité me paraît source d'une confusion mentale qui ne recommande guère l'utilisation du vocable. En contrepoint de Walras, sollicitons très brièvement, et dans l'ordre inverse de l'ordre chronologique, Hayek, Schumpeter et Marx. Qu'on se rassure, il ne s'agit pas d'asséner trois jugements définitifs sur chacun de ces grands penseurs, mais simplement de souligner par de nouvelles touches la gémellité inévitable des conceptions du marché qu'ils avaient et des formes de l'action de l'État qu'ils préconisaient, ou dans le cas de Marx, que l'histoire leur a associé. Hayek et l'école autrichienne, par exemple, voient dans le marché le produit de la sélection naturelle des institutions. Selon eux, la logique des mécanismes de cette sélection nous est inaccessible, et le volontarisme est non seulement inefficace, mais dangereux. L'état optimal est proche de l'état minimal. On peut, sans adhérer aucunement à cette tradition libérale, regretter la jachère dans laquelle elle est laissée sur le terrain intellectuel français, jachère sans doute plus préjudiciable que favorable à la qualité de notre débat public. Joseph Schumpeter, l'auteur de « Capitalisme, socialisme et démocratie », admirait Walras, mais avait une vision entièrement différente du rôle des monopoles. Il voyait dans leurs profits, pour parodier encore une formule célèbre, le progrès technique de demain et la production d'après-demain. Silicon Valley et la nouvelle économie conduisent à amender, c'est un euphémisme, la vision schumpeterienne. Mon propos est ici simplement de suggérer l'hétérodoxie radicale des politiques de la concurrence que cette conception appelle. Marx voyait l'économie de son époque comme un conglomérat de secteurs qui produisent selon des techniques rigides, où les salaires sont fixés au minimum vital et où les prix reflètent les caractéristiques de la production, mais aussi les niveaux de taux de profit dont l'évolution est soumise aux aléas d'une accumulation myope. Marx ne s'est pas prononcé sur les formes souhaitables de gouvernement, et s'il l'avait fait, c'eût été sans nécessairement adhérer au point de vue strictement économique adopté ici. Il ignorait aussi le sentiment moderne qui réinterprète le monde qu'il décrivait, dans nos catégories, sommairement, mais incontestablement, un monde où l'incitation et les choix décentralisés jouent des rôles mineurs, où les choix de consommation sont inexistants, et où la coordination des anticipations est gravement défaillante. Dans un tel monde, mais a-t-il jamais existé, la régulation centralisée des quantités, celle que permettait le Gosplan, aurait vraisemblablement été le terme supérieur de l'alternative organisationnelle. Passons au présent. Une certaine désuétude de la nouvelle économie du bien-être est le fruit paradoxal de la rénovation des schémas walrasiens, associés au nom de Harrow, de Breu, Malinvaux, Mackenzie, Hahn. Les transformations que cette rénovation a mises en branle ont produit une nouvelle économie publique. Faut-il s'y référer comme l'économie du bien-être nouvelle au carré, comme on dit parfois, ou bien l'économie publique standard étendue? Quoi qu'il en soit, la vision enrichie qu'elle propose du marché s'accompagne d'un allongement considérable de la liste de ses dysfonctionnements potentiels. Trois exemples liés à ma propre recherche illustreront l'affirmation. Voici le premier, qui fait écho à un lointain avatar du débat sur les prix et valeurs. Les prix, disait Marcel Boiteux, doivent dire les coûts, comme les horloges disent l'heure. Nous savons aujourd'hui qu'ils ne disent que rarement l'heure exacte. En d'autres termes, qu'ils ne fournissent qu'une approximation souvent grossière des coûts sociaux sur lesquels il faudrait idéalement fonder le calcul économique, et que la distorsion a des causes multiples. En second lieu, la séparation des registres de l'efficacité et de l'équité, au sens rendu précis par le deuxième théorème de l'économie normative, est aujourd'hui théoriquement caduque. C'était déjà, il y a plus de 25 ans, la principale leçon des travaux que j'avais effectués sur les économies à rendement croissant, où la distribution du revenu affectait non seulement la répartition du gâteau,
mais aussi sa taille. En troisième lieu, un pont a été établi entre la tradition savante de l'économie publique et la tradition social-démocrate qui a dominé la culture politique européenne de cette fin de siècle. Cette dernière a bien sûr subi plusieurs influences savantes. Sa réticence vis-à-vis du marché du travail est héritée du marxisme. Avec la nouvelle économie du bien-être, elle partage une sensibilité à la redistribution et une certaine acceptation du marché, au moins pour les biens. Mais c'est plutôt d'un mouvement social que viennent ces préoccupations assurantielles qui sont derrière la construction de l'État-providence. L'économie publique standard étendue, pour reprendre ce vocabulaire, fait aujourd'hui écho à toutes ces questions et en donne une vision intégrée. L'État y est vu comme arbitre entre générations et mutuelle de dernier ressort. Et conformément à l'intuition social-démocrate, la redistribution, dont les limites sont mieux comprises, s'y joue non seulement sur le terrain de la fiscalité directe, mais aussi sur celui des marchés de facteurs, et donc, égalisation du prix des facteurs oblige, jusqu'à un certain point, sur celui des marchés des biens. Le décapage critique des mécanismes de marché auxquels je viens de faire référence a deux effets opposés. D'une part, il multiplie dans son principe les raisons de l'intervention. D'autre part, il en rend la mise en œuvre plus délicate. La défaillance du marché s'accompagne d'une possible défaillance du savoir. En l'état actuel de nos connaissances, et je parle des connaissances sur les mécanismes et pas seulement sur les coefficients numériques, le sens des actions correctrices est très souvent ambigu, les objectifs fussent-ils bien définis. Il n'y a là aucun biais théorique, mais la trace d'une difficulté intellectuelle. Le marché n'est plus un first best, le meilleur des mondes possibles, compte tenu des contraintes techniques et des raretés. Même un second best, un pis-aller qu'on obtient en ajoutant les contraintes d'information, mais un third best qui doit tenir compte des contraintes cognitives. Presque, comme la démocratie selon Churchill, le pire système à l'exception de tous les autres. Mais plus que par les défaillances du savoir, la foi théorique en l'intervention de l'État a été ébranlée par la mise en cause de la fiction du planificateur bienveillant, souvent omniscient, autour duquel l'économie du bien-être organisait son étude du gouvernement. L'omniscience, première cible des attaques, était, dira-t-on, une cible facile. Tant l'équivalence de la planification centralisée et du marché qu'elle permettait d'établir était peu plausible. Pourtant, il a fallu que se développe la compréhension des asymétries d'information, qui signale le handicap informationnel, et non cognitif cette fois, que la dispersion et l'appropriation décentralisée de l'information impliquent, pour que la perte de foi dans les mérites de la planification centralisée soit au moins partiellement rationalisée. Mais c'est la bienveillance du planificateur ou du gouvernement, axiome de base de toute l'économie publique, qui a été soumise à la critique la plus radicale, issue de la revivification de traditions soupçonneuses de l'État. À l'action publique, vue comme recherche de l'intérêt général, le soupçon substitue l'action publique détournée. Les bureaux gouvernementaux sont capturés par ceux dont ils ont la charge. L'intérêt public est un alibi à l'intérêt des agents publics. Les lobbies manipulent le législateur, etc. Ces travaux appellent des objections. L'une technique, que la présence des intérêts catégoriels dans le choix politique n'est pas, en soi, synonyme de la perversion de l'intérêt général par les intérêts particuliers. L'autre, plus fondamentale, qu'on a souvent adressée à la discipline tout entière, celle de dissoudre par une autoréalisation perverse la part désintéressée des conduites humaines, en l'occurrence ici le sens du service public, auquel je continue à croire. Il est clair cependant que le dysfonctionnement des organisations publiques mérite examen. Après tout, l'étude des défaillances du marché ne l'a pas complètement desservie, alors que l'absence d'une théorie symétrique, celle des défaillances de la planification, a au contraire handicapé celle-ci. Voici pour les conceptions savantes. Comment ont-elles influencé les politiques économiques ?
l'examen, dans le contexte français, des évolutions des modalités de l'intervention dans le secteur de la production permettra d'esquisser une réponse. Le déplacement observé de l'intervention directe vers des procédures de régulation à l'anglo-saxonne n'est sans doute pas explicable par le succès du thème de la suspicion qui a peu touché notre pays, sauf à en voir l'ombre portée dans certaines politiques européennes. C'est bien la conscience d'une certaine défaillance du savoir, plutôt qu'une défaillance de la volonté, qui a, à mon sens, suscité le scepticisme du milieu des années 80. Mais le facteur sans doute le plus déterminant des évolutions a bien été, Stigler marque des points, les modifications des conditions objectives de l'action publique. Dans notre pays, après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction des secteurs de base et l'absence de marchés financiers, autant sinon plus que la présence de monopoles naturels, expliquent les contours des nationalisations. Reconstruction accomplie et marchés financiers puissants conjugueront leurs effets avec l'apparition de nouvelles techniques, téléphones mobiles par exemple, qui efface le monopole naturel. À vrai dire, le bouillonnement de la créativité technique et la multiplication des biens marchands, dont une partie croissante dans une société d'abondance, relève de ce qu'on considérait autrefois comme le superflu, sont deux aspects jumeaux de la banalisation des opérations de production qui renforcent la légitimité à les gérer par la concurrence. L'hymne intégriste à la concurrence, que détermine la fascination de l'attention créatrice qu'elle stimule, appelle cependant de sérieuses réserves. Rien n'indique que la concurrence optimale est la concurrence maximale. En l'absence des marchés complets que suggère la théorie, le rythme de création destructrice qu'impose son exacerbation engendre des coûts sociaux qui sont imparfaitement, voire très imparfaitement, internalisés. Excusez le jargon, mais je l'espère suffisamment évocateur. Voilà pour le passé et le présent de nos conceptions de l'action économique de l'État. Qu'en sera-t-il de l'avenir? Les schémas valrassiens rénovés n'ont pas, on l'a déjà noté, bloqué l'évolution. Loin de s'ériger en horizon indépassable de notre culture, ils sont plutôt devenus le camp de base d'où partent les 1000 sentiers de l'avenir de la discipline. Ces sentiers seront les itinéraires privilégiés des cours de la chaire. Et j'aurais souhaité vous faire parcourir au moins le début de plusieurs d'entre eux. Par exemple, celui ouvert par l'étude de la dimension contractuelle des relations économiques, qui à l'uniformité de l'équilibre partiel traditionnel, substitue la galerie variée du marché du travail, de l'assurance, des voitures d'occasion, etc. Ou encore, au moins évoquer ces sentiers à destination plus sectorielle, mais essentielle à notre temps, progrès technique, éducation, où le savoir s'accumule de façon ordonnée par des logiciels améliorés. Ou encore ceux qui font espérer des progrès lents, mais perceptibles de notre compréhension du développement, un relais enfin efficace à l'indignation que suscite l'inégalité dans le monde, et qui, sans le soutien du savoir, serait condamné ou bien à l'impuissance ou bien à l'erreur. Je vous inviterai à entrer dans les pas d'un seul de ces sentiers, celui qui nous introduit à une région déjà évoquée, celle des anticipations des agents économiques. Les anticipations étaient au cœur des préoccupations de Keynes, qui voyait la bourse comme un casino et déplorait « the disappointment of reasonable business expectation ». La révolution des anticipations rationnelles et la montée hégémonique de l'hypothèse dans la théorie économique formalisée ont été à cet égard une contre-révolution scientifique, telle que Serge Moscovici les avait identifiées et analysées. La rationalité des anticipations détruit l'argument de Keynes et maillon manquant entre le modèle statique d'Arrau de Breu et la version intertemporelle de Walras, absout le marché de toute défaillance de coordination. Mais le dernier mot est loin d'être dit. Les marchés incomplets modifient la perspective. Les équilibratages solaires, où se manifeste un effet Oedipe sophistiqué, la troublent considérablement. Et la nécessité d'expliquer la coordination, et non seulement de la supposer,
retourne la charge de la preuve. Le sentier va plus loin. Il nous éloigne beaucoup du premier Robert Lucas. Après la contre-révolution, revoilà l'air plus allègre de la révolution. Une révolution où les brisures du savoir viendront de son accumulation et non de sa destruction. Mais au-delà de la dynamique propre des conceptions savantes, ce sont les sollicitations des questions économiques contemporaines qui régénéreront peut-être nos schémas intellectuels. J'en évoquerai trois. Première évidence, l'action des États-nations s'inscrit dans un contexte de globalisation économique qui en rétrécit les marges de manœuvre. Que les flux d'échanges réels ou financiers restent polarisés par l'appartenance nationale plus que par la proximité géographique. Que les échanges avec le tiers-monde restent limités ne doit pas faire illusion. Les marchés nationaux sont devenus contestables, comme disait Baumol, et la concurrence est aujourd'hui mondiale. Cette mondialisation suscite craintes et espoirs. L'espoir étant souvent du côté du Sud, qui voit dans la conquête des marchés du Nord le moyen le plus tangible d'en approcher les niveaux de vie. La crainte est parfois au Nord, crainte extrême, celle que nos salaires soient fixés à Pékin, pour reprendre le titre sous forme d'interrogation d'un article récent, crainte diffuse, celle que la diminution des inégalités entre nations s'accompagne d'un accroissement de l'inégalité au sein des nations. Il est essentiel de comprendre les mécanismes de ce marché mondial en gestation, puisqu'il sera le cas de l'action locale, souvent nationale, des gouvernements. Et nous en savons insuffisamment aujourd'hui pour être pleinement assurés de nos politiques économiques. Certes, la globalisation économique, sous-tendue par un abaissement spectaculaire des coûts de transport et des droits de douane, qui de 1820 à 1914 a traversé ce qu'on appelle parfois l'économie atlantique, grosso modo l'actuelle OCDE, est aujourd'hui mieux comprise. Si l'on suit l'argumentaire de l'ouvrage que lui ont consacré Jeffrey Williamson et William Sorok, la fresque immense de l'histoire de cette période était organisée par la tendance à l'égalisation du prix des facteurs que les économistes suédois Bertil Ohlin et Elie Ekscher ont décrite au début du XXe siècle. Mais l'extrapolation n'est pas justifiée. Le commerce nord-nord est aujourd'hui un commerce intra-branche. Le progrès technique neutre hier serait devenu défavorable au travail non qualifié. Et la nouvelle économie, avec ses coûts proportionnels quasi nuls, transforme les conditions de la concurrence. Reste à apprécier la part de passé qu'il y aura dans notre avenir. Sur l'État-providence, forme la plus achevée des conquêtes sociales du XXe siècle social-démocrate, la pendule m'invite au silence, ou du moins à une grande brièveté. J'évoquerai simplement le petit bout de la lorgnette, mais c'est ma lorgnette, la gourmandise nouvelle du théoricien pour ce sujet. Nous n'avions pas, il y a 30 ans, de théorie économique de la fiscalité digne de ce nom. Souvenons-nous que les cours de finances publiques relevaient plus du droit que de l'économie. Et s'il y avait une science actuarielle, il n'y avait pas d'économie de l'assurance, du moins, comme organisation systématique de la réflexion autour de l'antisélection, de l'aléa moral, du risque de reclassification, etc. Dernier grand sujet, où viendront s'éprouver les outils de l'analyse économique, l'effet de serre, le climat. Voilà l'archétype du bien collectif, un bien collectif que l'on ne peut qualifier de local. Et puisque l'intégrité du vaisseau spatial sur lequel nous sommes embarqués serait mise en cause, voilà sans doute un fait social total, comme disait Marcel Mauss. C'est en tout cas un fait économique total. Comme tel, il sollicite la dialectique du conflit et de la coopération. Coopération planétaire pour la réduction des émissions, conflit pour le partage de l'effort. La distribution entre nations du surplus distribuable, pour employer le vocabulaire de Maurice Allais, devra être abordée comme elle est abordée à l'intérieur des nations. Il en sera ainsi, par exemple, en cas d'adoption d'un système de droits à polluer, puisque la distribution de ces droits entre pays ouvrira concrètement, première historique sans doute, des possibilités significatives de redistribution entre nations.
Le mécanisme de la négociation requiert des actions unanimes. Il n'existe pas de gouvernement mondial capable d'imposer des transferts de richesses internationaux de grande ampleur. Mais autant que l'effet direct de cette absence de pouvoir coercitif, c'est son effet indirect, l'impossibilité de globaliser les compromis, qui pèsera. Dit autrement, et n'en déplaise à Ronald Coase, la nécessité d'obtenir des compromis unanimes et séparés et successifs sur, disons, l'effet de serre, puis l'organisation du commerce, etc., restreindra l'efficacité des arrangements. Voici donc un exercice en vraie grandeur, une explication qui prendra du temps sur la nature et les mérites du gouvernement, en l'occurrence ici, d'un gouvernement mondial. Voilà, monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, brièvement évoqué les thèmes, les préoccupations et les interrogations auxquelles l'enseignement de cette chaire fera écho. La réflexion de la science économique se concentre sur la création de richesses matérielles, un domaine où l'action n'est pas toujours la sœur du rêve, pour citer une dernière fois mon poète préféré. Elle participe à un désenchantement du monde, celui dont parlait Weber, plus douloureux encore que celui du monde physique, lugubre pour certains. Pourtant, à l'aube du troisième millénaire, parmi les dangers qui rôdent autour de notre société, celui de ne pas comprendre son propre fonctionnement n'est pas le moindre. Pour le conjurer, nous avons besoin du regard acide du savoir économique. C'est celui d'une raison vivifiante qui alimente l'espoir salubre de mieux comprendre le monde social.